Salut, j'espère que vous allez bien. Il est midi, je me fais des galettes de riz avec un peu de confiture. Je sais plus du tout où on était. Le métro, c'est Peter par Man, là. Lâche pas l'affaire. Trop bien, je l'ai en photo. Bonjour. Excusez-moi, pardon. Salut, Brandon. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sable International? Alors, c'est une société de sécurité internationale. Les gouvernements font appel à eux pour étouffer les révoltes. Ou les provoquer. La dernière chose dont cette ville a besoin, c'est d'une bande d'excités de la gâchette. Waouh! Les réseaux sociaux s'affolent. Ils ont établi des postes de contrôle partout dans la ville et ils fouillent des gens au hasard. C'est dingue! Non! C'est juste Norman Osborn qui commence à paniquer! J'avais pas déjà pris la photo. Ici Centrale de Sable, tenez-nous informés de la situation dans le nord de Houston. Poste de contrôle assailli par les démons. L'Empire. Let's go. Je dois arrêter ça avant que ça vire au massacre. Je n'en doute pas, mon grand. Des fusillades sur des postes militaires. C'est pas le New York qui m'est familier. Peter. Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non. Pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais. Mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee.
Alors... Besoin d'un coup de main pour les légumes ? J'ai appris il y a bien longtemps que tu me rendrais plus service en t'éloignant des fourneaux. Ça te passe, hein ? Pete, je suis content que tu ailles bien. Ouais, je m'accroche. Mais a dit que t'étais là-bas au moment de l'attentat. J'ai prié pour toi. Merci. C'est gentil. Ah, son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer discrètement ? Je me sens plus en sécurité maintenant. Bon, clairement, il n'y a plus personne. Peut-être un conduit de ventilation ? J'ai jamais vu cette pièce. Wow, c'est quoi ça? Et voilà. Des lignes de tension? Pourquoi autant d'électricité? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de Monsieur Lee et il est injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne veux pas vous donner de délai. Que ferait Ben dans un cas pareil? Le bureau de Lee est de l'autre côté. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. C'est l'histoire de fantômes que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça... Les parents de Lee. On dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cadre. Je croyais que les barons de Lee l'avaient abandonné. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux? On dirait que ce message est pour May. L'y apprécie réellement, mais... Je pense qu'elle risque rien. Alors... Cher May, vous allez bientôt entendre de nombreuses histoires à mon sujet. On veut dire de moi que je suis un terroriste et un assassin. Et ces histoires seront vraies. Ah d'accord. L'histoire du tiste, l'histoire du fiste l'est tout autant. Notre histoire, j'ai toujours cru en notre mission. Ce n'était pas une façade ou un faux sentiment, un faux symbole, mais quelque chose de sincère. Sauver une personne, c'est vraiment sauver le monde. Ne laissez pas mes échecs remettre en question ce que nous avons reconstruit. Vous êtes forte, May. Assez forte. Pour écrire une nouvelle page du Fist. Sans moi et mes erreurs. Merci pour tout, Martha. Le journal de Lee ? J'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. Oui, c'est le Fist qui a été arrêté, j'ai dû me y croire, le jour dont je rêvais est enfin arrivé. Mais j'ai encore des doutes. Est-ce que je peux vraiment aller jusqu'au bout ? Tout ira si vite. Lee a l'air déchiré. Comme s'il avait dû agir malgré lui.
Une sorte de serrure à énigme. Ça m'a l'air bon. Ah, je vois. Yes! Oh, c'était rapide. Wow. Qu'est-ce que vous cachez, Ellie? Lee est obsédé par les masques. Un truc de psychologie jungienne. Devenir quelqu'un d'autre pour évacuer ses instincts les plus sombres. Il s'est pris pour un démon, jusqu'à en devenir un. Lee transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégner de son pouvoir? Induction bioélectrique? Déphasage par compression? C'est flippant. Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. Eh non, c'est de le surpasser. C'est ça que t'as pas compris, Lee. Wow, c'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. On va regarder. Hop, là je pense que c'est bon. C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Encore une. Si la police avait trouvé ça, ou mais, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Bon, comment je sors de là? Bonjour, Peter. Monsieur Lee? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Martha, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborne? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite? Oh, je ne crois pas que May et toi y aient quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon, je dois y aller. Vous revenez quand? Dès que j'aurai terminé. Non, non, non! Tu peux la retrouver, hein. Tu peux le retrouver.
période de 50, d'accord. Ok. Capitaine Watanabe ? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien. Mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, Peter. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner. Ces caméras sont pas données. Si Felicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner ? J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. Chaudasse. Chaudasse. Ah. Encore un chat. Black Cat est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Ah, bonjour, docteur. Comment ça va ? Peter, excellente nouvelle. Viens vite au laboratoire. Maintenant ? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour, juste quelques minutes. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Notre premier volontaire. Le première classe Texidor. Il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Où vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Pas chômé. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur donner plus ? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt ? Ha ha ha.
Y'a un problème? Bon sang! C'est de ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Allez, on va réparer ces erreurs. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un courjus. Ah oui. Pas top. Je dois dévier ce circuit. Ok. Hop. Je trouve un moyen de faire les deux en même temps. Comment je pourrais le faire? Voilà. Oh, si tu prenais les commandes cette fois.
qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton retour. Alors... Cool. Un contrôleur logique pour les micro-câbles auxquels le doc réfléchissait. Comment on fait ? Ces trucs sont fantastiques. Tellement plus polyvalents que les mécanismes à axe fixe traditionnels. Une simple IA qui permet d'améliorer la fonctionnalité de la prothèse dans la durée. Bienvenue dans le futur. Never.
Maintenant, la prothèse a un petit cerveau. Cool. Et un peu flippant. Le doc a craqué sur l'interface intracrânienne. Pourquoi ça veut pas dans... C'est la même chose. Comment je pourrais faire? Faire ça, ouais. Pas le choix non plus.
ça. Comme ça, ouais. Après. C'est soit j'ai tout droit. Ah. Est-ce qu'on peut les tourner, eux? Non, on peut pas les tourner. Bon, c'est soit j'ai tout droit. Comme ça. Je fais ça. Et là, comme ça. Ah non, y a pas. Chier. Ah là. Péter les couilles. Donc tête dernière comme ça. Ouais. Après comme ça. Après hop. Ah bah toujours pas hein. Oh là là, j'arrête pas de roter là. Ah. Peut-être comme ça. Ah non. Fallait que ça arrive, hein. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? C'est comment, c'est? Comme ça? Faudrait qu'il soit comme ça, ok. Là, je vais mettre là. Il me saute ma gueule ou... Ça se passe comment là? Ouais. Mais c'est bon, c'est fait. Donc ça serait comme ça. Ah non, c'est bon. Ok. Comment je pourrais faire? Donc là, il y aura 5. 2. Moins 3, d'accord, ok. Ah, toujours, oui. Je suis con. Donc là, il y a 5. Si je fais lui. Voilà, 7. 6. Toujours 5. Et il faut arriver au moins 2 là. Ça fait 3. C'est... Vous avez vu, je suis bien monté. Hein. Ah bah là. Oh là là. Révolutionnaire, mais pas complètement stable. Il va falloir qu'on peaufine le design. J'ai perdu du temps pour rien. Qu'est-ce que c'est? L'interface neurale serait une avancée majeure, Doc. Majeure, oui. Mais essentielle. Si l'utilisation de notre prothèse n'est pas totalement intuitive, on aura échoué. On y arrivera, Peter, il le faut. Eh, hey, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner? Le dîner? Oh, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon?
Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Je pensais qu'elle allait avoir un autre appel, mais... J'ai parlé vite fait, le temps que je me fasse un petit truc. Hop. Je peux faire avec les deux maintenant. Oubliez vos clés. D'accord. Comment il bouge aussi? Nouvel appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Je pensais que me balancer au bout d'un film me permettrait de livrer des pizzas plus vite. C'est le cas, hein? Mais dans quel état? Ma boute. Appel à toutes les patrouilles. Des agents pourchassent un fourgon qui pourrait transporter une bombe. Besoin d'agents sur place à Clinton. Pour ça. Terminus. Il y a une bombe dans le camion. Je dois l'éloigner d'ici. Il est longtemps, tu devais aller dans l'eau pour aller mettre une bombe. C'est comme dans le film, là, avec une bombe dans le bus. Comment ça s'appelle déjà? Vitesse? Rapide et furieux? Oh mince, je me rappelle plus. Ah non, c'est... Non, c'est...
Coucou MJ. Bon, je suis passée faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cuistot à l'œuvre. J'arrive dans pas longtemps. Tu vas en prendre plein la vue. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Le jeu est cool, mais ils ont oublié de mettre les voix françaises. Vulture a fêlé mon œil, il a failli m'éborgner. Ça a été un déclic pour moi. Il fallait trouver un matériau plus résistant. International dans mon cœur, elle est démon. Alors, vous êtes des terroristes ou des criminels? Parce que j'arrive pas à suivre. Inutile de me remercier, Sable! N'empêche que ça coûte pas grand chose. Jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. Oh, il a failli tuer. Martin Lee paye vraiment le patron. Hé, hey, Rick ! Le patron veut te parler ! Rentre ! Ouais, il faut que j'entre dans ce bureau. Faire des soudures plus propres que ça. Si le patron voit ça, il va enrager. Je
vais voir ce que c'est. Non! Oh là là, j'étais super loin. Et sinon, il fait quoi le patron avec le clé de Martin Lee? C'est pour lui tout ça. Attention. Le grève d'ost, mon pote. Tout le pognon va directement dans le grève d'ost. T'as déjà testé? Que des échantillons. Le patron bosse encore sur le mélange. Mais je te suis pas un chrève ou quoi? Tout en douceur. Quel genre d'engin a besoin de pneus aussi gros? Elle est où? Ah, je suis sûr que je l'avais laissée là. Hé hey, quelqu'un a vu la clé de 12 quelque part? On a une nouvelle scie sauteuse. Hé, hey, qu'est-ce que c'était? Hé, hey, quelqu'un a pensé à racheter de la bière? Un genre d'équipement militaire? Le bureau doit être à ma droite. Il faut que j'avance prudemment. Allez, dépêche-toi. Dégage-toi. Ce bidon semble important. Alchemax? Qu'est-ce que c'est que ça? Patron, guerrier! Libérateur! Tombstone. Tombstone. C'est vrai, Rick. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça! T'en as dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. Des plans. Un VBT. C'est ça qu'ils construisent pour lui. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Il doit bien y avoir des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Oh, ouais, j'ai réussi une fois, c'est bien. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Tiens. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Toi. Ce que t'es en train de préparer, ça sent trop bon. Poulet au curry, y a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non,
La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... pourquoi ? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte ? Genre, la fille araignée ? La femme araignée, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Oh, pas encore. Ah. Hey, c'est ton détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh, le comptable d'Oscorp. Attends, tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine ? Où est-ce que tu veux que... Là, pose ça sur le canapé. Bon, on se voit plus tard ? Ouais. Il avait la classe comme ça, genre position du héros. Spider-Man, lâche pas l'affaire. Salut, c'est moi. Il est dingue, ton Curie. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup, on est partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire? Ça rend pas mal. Ok. Alors, à plus, partenaire. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Quelqu'un était pressé. Spider-Man! Vous êtes blessé ? Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Eh ben, content de vous voir ! Je trouve plus ma caisse ! J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage. Je suis dans le...
Le pauvre. Ouais, le pauvre. C'est bête de se battre contre un mec qui a fait le mode histoire. C'est vrai que même si c'est une nouvelle partie plus, c'est censé être plus difficile normalement. Et bah, je galère moins, c'est bien. Ça, vous bossez là vous aussi? Ah bah, je plaisante pas avec le cardinal dans ce bâtiment. Tenté, mais raté. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement glisser par sa cage. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Ok, j'y suis presque. Restons dans la pénombre. C'est qu'il est haut ce bâtiment. Des bombes incendiaires? Sans blague. Skip. Oh oh. C'est pas bon ça.
Voilà Standish. Très bien. Et maintenant? Entrez le mot de passe. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Et la lumière fut plus très drôle. De toute façon, j'ai jamais été bon en discussion, donc... Je dois faire le ménage avant de parler à Standish. Il n'y a plus personne ici. Ok, retour au mode Spider Ninja. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. J'aurais tout chié. Essayons encore une fois. C'est terminé. Ok,
Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable ? Qui vous a parlé de ça ? Pourquoi ils veulent s'en emparer ? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui, lui ? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous ! Allez, allez ! Non, l'ascenseur est ! Essayez de tomber moins vite! Je vous tiens! Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Salut Yuri. Tout va bien ? Ouais. Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire... L'inspecteur Spider ? Yuri ? Oh, c'est pas sympa. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Standish ? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons ? Il recherchait un nom. T'as de quoi noter ? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui ? Et pourquoi lui ? Ah bah j'espérais que tu me le dirais ! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Dans l'air. Il y a sûrement une manière super scientifique pour dire ça, mais en gros, c'est pas bon s'il y en a trop. Les relevés sont inquiétants, mais contradictoires. La seule façon de comprendre ce qui se passe, c'est de tester les émissions dans la zone. Mais j'ai d'autres problèmes. L'échantillonneur détecte des particules toxiques. Il faut que je vérifie. Cette conduite de vapeur est un bon point de départ. Quelque chose d'anormal là-dedans. Je dois l'analyser. Du mercure mélangé à autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi.
l'évidence, ce n'est pas limité à un bâtiment. Beaucoup de gens sont en danger. Voyons ce que je peux trouver dans cet échantillon. L'acide nitrique et aussi un autre ingrédient. Je suis sur la bonne voie. Il faut juste suivre la piste. C'est plus étendu que je le pensais. C'est tout le quartier qui est menacé. Ouh. Ça sent pas la rose. Voyons ce qu'il y a dedans. Éthanol. Pourquoi ça me semble aussi familier ? Éthanol. Pourquoi ça me dit quelque chose ? Attends. Du mercure, de l'azote et de l'éthanol. Il faut que je retrouve la piste. Quand ce sera fini, j'alerterai le service de santé publique pour qu'il prévienne les résidents. J'ai trouvé le problème. Des produits corrosifs s'écoulent de ces bidons et polluent les canalisations. Il faut que je nettoie le site rapidement. Le béton contient du calcium et du silicone. Idéal pour tout absorber. Bon, il va falloir que je fasse des dégâts pour réparer ces dégâts. Un de moi. Nickel, ça peut... Il faut pas que je respire. Encore un ou deux bidons. Le dernier. Ça y est! Sceller la grille avec ma toile, ça devrait éviter toute fuite supplémentaire. Ça aurait pu être bien pire. La station de recherche d'Harry vient de prouver qu'elle devait rester ouverte. Oh. C'est quoi ce bruit? Salut, vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non, mais si vous demandez gentiment... J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un toit à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SVT d'un collégien... Ouais, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc ? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. Vous avez dit le mot magique ! J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque, cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Déployé à Rosevale. Un message du doc ? Des
Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. On doit remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer. Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis. Hein ? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man, alors tu as trouvé l'un de mes points de géologue ? Qui êtes-vous ? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées ? L'homme énigmatique a des points de géolocalisation aux quatre coins de la ville. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Il faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Ok, celle-là, c'est bon. Dépêche-toi! Tu veux que j'aille... Enfin, je sais pas. Je sais pas comment je peux faire plus de 400. Enfin, je sais pas. Non, moi... Je me dépêche de désamorcer les bombes. Non, mais j'ai pas plus de temps. C'est bon, boum la dynamite. Encore une, dépêche-toi. Sérieux ? Pas terrible. Ah ouais. Je vois pas comment on peut faire. Ça va le faire, ça va le faire. On va réessayer, puis après... Si on n'y arrive pas... Tant pis. Faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Contenu. Je dois trouver la dernière. Voilà. Je suis assez fier de moi sur ce coup-là. Bon travail pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancer. Ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers ? Je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel, et on me paie en tant que tel.
Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent, et j'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Donc on s'en peut à déguiser, on va changer de... Le vrai Spider-Man, tu vois. On va changer de tenue. Un truc bien dégueulasse, là. Ah. Genre ça, là, ouais. Mec, il a eu le temps de se changer. On a même changé le pouvoir. Mode photo, hop. On peut pas... Ouais. Je voudrais écouter la fin du message du doc. Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand tu auras le temps. Le doc se donne vraiment à fond. J'espère qu'il va pas nous faire un burn-out. Appel aux agents, tenez-nous au courant de la situation dans le périmètre de Madison. Transport sous les tirs ennemis, je répète, on se tire dessus. Hé, je suis pas avec eux. Je vais quand même vous donner une bonne leçon. De l'assurance. On est en route avec quelques... La prochaine fois, laissez-nous faire. Désolé les gars, mais je me sens un peu obligé d'intervenir dans ces cas-là.
serait sympa que tu lèves le pied sur les otages. Sorry. C'est Spider-Man. Prenez... Qu'est-ce qui va se passer? Une fête d'Halloween. Elle n'a pas besoin de le changer. Delany est déguisé en l'homme le plus grand rival. On va découvrir lequel. Vous êtes obligé d'être aussi désagréable? Tout le monde porte un costume, mais congénère. Le docteur Delany est là, quelque part. Je dois le retrouver avant lui. Excusez-moi, vous êtes le docteur Delany ? Oh, Spider-Man, mon ennemi juré, tu ne m'auras pas cette fois ! Oh non, de la fumée, c'est mon seul point faible avec les petits couteaux. Ta fin est proche, Spider-Man ! Tu peux m'échapper ! C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Petit comique. Jette des sucreries et peut-être le docteur Delany. Il faut que je trouve comment monter. Je peux pas utiliser mes toiles. Comment je vais pouvoir monter ? Je veux vous entendre crier ! Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là. Le lézard avec la blouse blanche. C'est ça, ouais. Ouais, je veux vous entendre crier. Mais c'est Spider-Minus. Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'affronter. Alors, Spider-Mauviette, on a peur de ma grosse corne. Hey, mais qui... Mais non, mais ça va, oui. Très bien qu'il y en ait un qui emmerde le monde, hein.
calmez-vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non? C'est des faux flingues. Oh, va t'asseoir. Relâche-le. Tout le monde va bien? Ouais. Parfait. Eh ben... joyeux Halloween! Je vous comprends pas... Un éclairage d'ambiance? Comment s'occuper d'un endroit tranquille? Où est-ce qu'ils ont emmené Delany? Qui êtes-vous? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire de Oscar. Comment le savez-vous? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, les... Plutôt que ça commence. Sans... non. Docteur Morgan Michaels. Merci. Comptez bon. Je dois trouver Lee.
Et ça pour va bien. Qu'est-ce que Lee a fait à ces gens? Consoler, ça m'a pas fait plaisir. Non, pas encore lui. Excusez-moi. Yori, j'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Spider-Man, qui est ce docteur Michaels? Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok, j'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Lee l'a corrompu, il l'a poussé à se suicider. C'est horrible! Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Qui c'est? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé? Oui, écoute ça. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans en informer les autorités. Un laboratoire secret? Pour le souffle du diable? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense, ce serait logique. Et où est ce labo? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Les câbles du réseau, il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un œil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... Toutes les équipes de Sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu, on poursuit l'inspection à l'extérieur.
Voilà le deuxième module. Quoi ? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Déclenchement du protocole Delta. Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle. Cible repérée. C'est Spider-Man! Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle. On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. À toutes les équipes de Sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, Central. Te voilà. Saloperie, il y a encore un sous-système qui nous a lâchés. Il me faut une équipe pour balayer le 85e étage extérieur. Bien reçu, Central. L'oiseau arrive. Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Standish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors, il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, et je t'en prie, ne fais pas de folie. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage ? Encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Attendez. Je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk ? Quelle statue de Neo ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statue Neo de la salle d'enchères. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MJ a trouvé. Qui a le fichier ? C'est nous, Norman. Mais ça nous en dit pas assez. D'où mon entrée par effraction. Passablement illégale, certes, mais moralement acceptable. GR-27. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels, mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques ? Mucoviscidose ? Huntington ? C'est pas croyable. C'est flippant. Waouh ! Le GR-27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Je me demande si... Alors, Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sab n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre, là. Le joindre ? Ça grouille de garde, là-bas ! Comment tu comptes t'y prendre ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire.
S'introduire dans les locaux de Sable, ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Ici le Central de Sable, faites-nous un point rapide sur Cathédrale. Poste de contrôle Charlie pris pour cible par les démons. On dirait que Doc a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité, enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Tirer parti de notre esprit. J'avais jamais entendu le Doc aussi excité par un projet. Black Cat est passée par ici. Elle faisait ça en personne la première fois que je l'ai attrapée. Ou je devrais dire qu'elle m'a attrapé. Ça peut pas être juste une drague un peu sophistiquée. Elle connaît pas les applis? Elle cache quelque chose. Et bim! C'est le domicile de Tystone? Et il est rempli d'œuvres inestimables. Tu joues avec le feu, Felicia. Tout à fait ton style. J'ai pas beaucoup de temps! Là, c'est bon. Dépêche-toi! Si j'avais pu faire aussi bien à l'école! Avant que ça tombe vraiment mal. Arrêtez les gars! Vous faites peur aux pigeons! Le douche, hein? Mais c'est vous ouvrez, Ah, les regards de sable emplis de gratitude.
La plus belle des récompenses. À moins qu'il soit juste occupé. Je vais pas faire la quête principale maintenant, vous avez compris. J'ai envie de faire des quêtes secondaires. Felicia croit qu'elle joue avec moi, mais j'apprends quelque chose à chacune de ces scènes. Miaou. Un grand avocat vit ici, je crois. Il doit chercher de nouvelles cibles parmi ses clients. Ça me fait mal de le dire, mais elle est sacrément futée. Unité de sable, dites-nous quel est votre statut à Little Tokyo. Vos Oscars sous les tirs ennemis, c'est les démons. Howard, ça faisait un bail. Comment va Pidgey? Il n'est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes proprios ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au centre Fist, le temps de se retourner. Désolé. C'est vrai que les proprios new-yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'ait retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois? Évidemment, quand vous feriez ça? Oh, merci. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler. Ce que j'ai fait, c'est récupérer le ballon de ce gamin et il m'a fait ça. Ce sont ces petites... La petite ref. J'ai eu un appel de Tante May. Peter, j'ai parlé à la mère de Miles et elle est ravie qu'on puisse travailler. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Le gars il est tout seul hein. Sérieusement. Ça sert à rien. Ah, je vois clair dans votre jeu, Bulan. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre.
Ok, celle-là, c'est bon. Dépêche-toi! Si proche de la perfection. Oh merde. Si proche de la perfection, comme tu dis. Non, c'est pour ça, on va recommencer. Ça va, il est que 2h02. Je crois 3h, j'allais me coucher. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre. Dépêche-toi! Bien, mais je peux... Mais genre... Faut que je sois à quoi, 25 secondes alors? Faut vraiment que j'aille rapidement quoi. Je peux pas laisser ces bombes exploser! Parce que là, je fais de la merde. Je dois trouver la dernière. C'est n'importe quoi. Presque impeccable. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Il faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Dépêche-toi! Ça m'énerve de pas avoir fait... Bah oui, ça m'énerve. Comment tu veux que je fasse autrement que comme ça? Hop. Je vais recharger la manette avant que ça me lâche. Merde. Bon. Faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Putain, il y en a que 3 pourtant. Hein. C'est dingue ça. Hein. Bruyante, mais inoffensive.
trouver la dernière. Et Spidey décroche la médaille d'argent aux Olympiques. Je suis sûr, c'est parce qu'il faut y aller à moins de 30 secondes. C'est incertain. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre. Ah, putain. Boum la dynamite. Victorine, dépêche-toi. Je fais n'importe quoi là, je fais n'importe quoi. Pas trop mal, mais dans mon... Je peux y arriver. Je peux. Vite, les bombes peuvent sauter d'un moment à l'autre. Ok, plus qu'une. Quoi, rien que pour en faire chier. Je voulais la réussir son épreuve. Au début, j'ai envie que ça explose. Mais bon. Je peux pas laisser ces bombes exploser. Allez, let's go. Je prends un mur, allez hop, c'est fait, c'est fini, je peux pouvoir Ok, celle-là, c'est bon. J'arrive avant 35 secondes. J'arrive à 35 piles. J'arrive un peu à faire 35. Je dois trouver la dernière. Bien, mais pas parfait. J'espère que j'ai pas déçu mon coach frappa. Ouais, 301 vues quand même. Allez. Je peux le faire. Je me dépêche de désamorcer les bombes. Allez là, putain! Explosion contenue!
Go, let's go. On a affaire à des détraqués, on sacrifie parfois des points de style. J'ai pas beaucoup de temps! Ah putain, mais c'est dingue ça, je fais de la merde comme ça là, pourquoi? Oh là je me dépêche de désamorcer les bombes. Bruyante, mais inoffensive. Trouver la dernière. J'aurais pu faire mieux. Je peux pas laisser ces bombes exploser! Allez, 45. Oh, j'approche, c'est bon. Ok. Plus qu'une. Allez, je suis pas le con. Et j'ai fait le con, putain mais.
peux pas laisser ces bombes exploser! Et boum la dynamite! Allez. Oui, c'est bon ça. Ok, plus qu'une. Je peux pas laisser ces bombes exploser! Ok, celle-là, c'est bon. La dernière. Ah, ça, que je fais de la merde comme ça. Tiens, là. Je fais n'importe quoi. Je vais perdre un demi-point. Ah, bah oui, oui. J'ai pas beaucoup de temps. Explosion contenue. Dépêche-toi. Attends, c'est tout pour si moi, proche hein. De la perfection. Ah ouais. Je peux pas laisser ces bombes exploser! Allez. Ah, déjà c'est mort là. Celle 48 c'est mort. Après j'ai pas trop le choix hein, d'ailleurs. Ah bah regarde-moi ça. Ouais. C'est quoi ces secondes qui descendent comme comme à rien là? Allez là, putain. Évidemment il a fait deux fois, mais... Je dois trouver la dernière. Bon, arrête. Bien, mais je peux faire mieux.
une information intéressante aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce monstre qu'on appelle Rhino? Eh bien, apparemment, il a failli s'échapper de sa cellule du raft la nuit dernière. Alors comment, vous direz-vous? Eh bien, personne ne semble le savoir. Mais on m'affirme qu'il a été déplacé dans une cellule plus sécurisée. Je ne suis pas un expert en prison de très haute sécurité, mais il me semble que le principe, c'est qu'il n'y ait rien de plus sécurisé. C'est un psychopathe de 350 kilos avec une corne indestructible. S'ils ont une cellule plus sécurisée, pourquoi il y était pas déjà? Oh! Oula! J'étais censé mettre ce t-shirt au sale il y a 6 ans! Fou! Ok, Pete. Ce labo dispose de mangeoires pour attirer les oiseaux et analyser leurs fientes. Ouais, j'ai fait un master de gestion pour analyser du caca d'oiseaux. Bon, plus sérieusement, tu sais sûrement qu'ils sont porteurs de maladies et nous devons nous assurer qu'ils ne posent aucun risque. J'avoue que j'aimerais être là pour profiter de ton humour scatologique. Oh non. Les pigeons sont porteurs d'une souche virulente de grippe aviaire. Et elle a déjà muté pour atteindre une forme qui peut infecter les humains. Ok. Il y a tout ce qu'il faut dans le labo d'Harry pour développer un vaccin. Je dois agir vite, ou les pigeons risquent d'infecter la ville entière. L'idéal serait de le diffuser à 3 points de migration importants. Et je sais déjà où il se trouve grâce à cette station. Le premier point de migration se trouve dans un parc. Les oiseaux devraient pouvoir propager le vaccin entre eux. Les pigeons ont accepté que je m'incruste dans leur milieu naturel. Je leur dois bien ça. Je suis sûr que les Avengers n'ont jamais une mission avec Défiant. Et voilà. Le vaccin se diffuse dans l'air. Il suffit de le vaporiser dans les arbres. Pardon. D'habitude, je suis plus haut. Un de fait.
Il en reste deux. Comment ça va? J'écoute Jameson. Les pulvérisations sont inoffensives pour les humains et les animaux. Mais soigneront les pigeons. Ou les transformeront en zombies. Je me demande ce que Jameson va encore inventer. J'imagine bien Spider-Man empoisonne l'atmosphère ou un truc comme ça. J'adore aider les animaux. Ils ne me traitent pas de danger public et ils ne me tirent pas dessus. Est-ce que ça serait vraiment exagéré si j'ajoutais vétérinaire à mon CV? Bon, c'est bon à faire et faire rapidement. Je vais contrôler quelques pigeons pour en être sûr. Ça a marché. Pas un seul pigeon zombie. Nikola Tesla nourrissait les pigeons ici. Comme la mère Larry. Je lui en aurais bien parlé, mais il répond ni aux appels, ni aux SMS. On a installé des panneaux éco-énergétiques à LED dans toute la zone. Cette station contrôle leur performance. J'espère qu'ils enregistrent une économie suffisante pour que le corps peut poursuivre leur exploitation. Quelle surprise. Oscorp a ignoré les spécifications et augmenté la tension en entrée. Si je règle pas ça, il risque d'exploser. Des gens pourraient être blessés et cette station serait définitivement fermée. La décharge provoquée par mes toiles électriques devrait forcer l'extinction des panneaux. Mais je dois agir vite. Je dois toucher chacun des écrans. J'ai toujours su que le mauvais goût sera un jour utilisé comme une arme. Une explosion rendrait sûrement ces pubs plus intéressantes. Tenez, allez-y, prenez un flyer. Un flyer ? Cette fois, ils vont pouvoir ajuster les panneaux correctement. Vu les économies réalisées, ce qui est apparemment la priorité d'Oscorp, cette station ne devrait rien avoir à craindre. Thank you.
thèse sur les neurotechnologies. C'est ce qui m'a valu mon premier boulot avec le docteur Octavius. Comme c'est plus Halloween, on va remettre la tenue normale. On va mettre celle-là, voilà. Parfait. Moi j'ai LM, je vais vous laisser mes gens, on va aller se coucher. J'ai jamais fini cette candidature au Coffee Bean. J'aurais gagné un peu plus que maintenant. Bisous et à la prochaine. C'était Cal avec votre araignée sympa du quartier. Je vous dis salut tout le monde.